Since the establishment of MAVA, we have supported a number of projects. I don't know the number. I'm guessing it must be 150, 200, something like that, in the amount of about 135 million Swiss francs over the last 18 years. Quick conversion, that's about the same amount in dollars, or about 110 million euros over the last years. So although we are not the ones doing the work, we've been involved in a lot of the work that many of you in the room are doing. And some of the things we're very proud of is helping to set up and foster the development of many of the NGOs working in the region, helping to safeguard wetlands, setting up some of the marine protected areas that are there now. This is work that Luke has been involved in for many years. Our interest in the Mediterranean is sort of migrating south. We had a role to play in working in the Doñana years ago. We still work with a number of organizations in Spain, in France, in Greece, in Turkey. But our interest is migrating south. We have a growing interest in North Africa in particular, and also the Mediterranean part of the Balkans. So our strategy is evolving over time along with what's evolving in the region. So our interest is growing in those areas. We are trying to develop the work that's going on there, develop new partnerships, and support the building of capacity throughout those regions and the emergence of civil society as well. I won't try to go through our thoughts in any detail on the challenges in the region. I think the two speakers before me did a very good job of laying those out, and our friend from Tunisia, a lot of the things that he had to say, I think, can be extrapolated to many parts of the region. What I want to emphasize is what I see as the incredible opportunity right now, both in the north and the south. In the south, for all of the reasons that we know, with the Arab Spring, with the tumult that's going on, we've got emergence of democracy, we've got the empowerment of civil society, and there's an incredible opportunity to make better decisions and do things in a better way than in so-called developed countries. I think there's just an amazing opportunity as things get off the ground to make sure that the decisions that are made, the systems that are set up, the governance that is established, are done in a way that takes into account more than just the financial measures that most decisions seem to be based on, that are taking into account the environmental implications of decisions, the social implications of decisions. And I am also a big believer in making sure that natural resources are valued and added into the equation. I realize from some of my discussions at this conference here, not everyone agrees with that, but I believe that until we get those considerations into the decisions that are being made, the same kinds of decisions are going to continue to be made. In that vein, we at the Foundation are increasingly interested in the idea of helping to establish a sustainable economy. This is valid for the areas of the South Mediterranean as well as for the North Mediterranean, Southern Europe. As we know, with some of the economies having exploded over the last few years, they're essentially having to rebuild as well. So throughout the region, it's an opportunity to rebuild and rethink how things are done on both sides and all around. We at the Foundation are thinking a lot about what we value, measure, and account for. And building that into the decision-making processes. We're thinking about how we can support the emergence of new patterns of production and consumption. There must be some better ways of doing this than happen now. And how do we create a new narrative? How do we create a new shared sense of what success means that goes beyond how much I own and what I possess, how much money I make, and how much money I spend? We as humans have more to contribute to each other than just what we buy. It has to go beyond that, and I think there's a chance to install a new model of thinking and a new way of developing things around that. Just one quick word on governance. I think that's been covered fairly well by the previous speakers, and I'm trying to keep it very brief after a week of hearing lots of speakers. I'm sure we all want brevity, so I'm trying to help. When we think about governance systems, I think we can all point to a lot of the failures in the way the current governance systems we have work, both at the multinational,
multilateral level down to all sorts of other levels as well. As I reflect on this, I've been thinking a lot about what are the ways to build in mechanisms to provide consequences for non-compliance. One of the issues we have in a lot of the mechanisms in place today, I think, is that there's just absolutely no consequence for not being not acting in line with agreements that are made, whether that be at the community level, national level, regional level, or multilateral level. So I'd like to have a debate with you, hopefully, about what sort of ways can we reinforce to build in compliance, to build in those consequences for non-compliance, so that hopefully there can be mechanisms that are more effective in place than what we have now. The last thing I'd like to say is about the role of IUCN in the region. We are a big supporter of the Mediterranean Office and, of course, of the Mediterranean Program, the North African Program part of that as well. And I see a huge role for that office in helping the development of the region and helping to get things on the right track. So I was very pleased to see the outline of the program strategy that touches on many of the points along the lines of the valuation of natural resources, building that into decision making. I think there's also a role to be played in providing trusted, credible data and analysis and get that fed into the decision making processes. We've supported a couple of different things along those lines, one being a Mediterranean version of the Red List of Threatened Species analysis. And the second is an analysis of the Mediterranean countries by the Global Footprint Network, looking at their biocapacity, usually deficit. I think in just about every country, we can probably safely say there's a biocapacity deficit. We are supporting the work of the Global Footprint Network to try to bring that data into decision makers and help position that as a competitive issue. So as countries are developing and rethinking, we need to see the depletion of natural resources as something that makes sense to do better for reasons of for governments, for individuals, for corporations, but especially at the government decision-making level, that there need to be better decisions that take all of these things into account based on the data provided. If we're using up all of the natural resources in a country, you're going to have to buy it in from someplace else. If everyone else is doing the same, those resources are going to be more expensive. There are some very simple ways of presenting the arguments. It's a lot more complicated to make it happen, but the work we're supporting is trying to help build in those arguments into the decision-making processes. Back to the role of IUCN. I wandered a little bit. Back to the role of IUCN. We're really happy to see so much emphasis on the capacity building in there. I think that's essential, an essential role, working with the members, building up the membership, helping them to do all these things. And lastly, to rally the conservation movement in general, pulling together the actors so that we're pulling in the same direction instead of pulling against each other. I look forward to the rest of our debate and dialogue today. Thank you very much. Thank you, Linda. And now I invite our last. J'invite notre dernier président conférencier, M. Mohamed Rebbi, qui est le chef de division du haut commissaire en eau et forêt et la lutte contre la désertification en Maroc. Thank you. Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, permettez-moi d'abord de remercier Hussein Met de nous avoir offert cette opportunité pour nous rassembler, pour débattre de nos problèmes, de nos problématiques de façon générale. Il y a un résultat très positif que nous enregistrons comme membres. Et je crois que mes collègues et amis nord-africains partageront ce constat, c'est que depuis l'arrivée de certaines personnes au centre, nous nous réunissons plus souvent qu'avant. Et ça, c'est important par rapport à ce que disait Miguel tout à l'heure, par rapport à ce que font nos amis au nord, sur la rive nord, ils se réunissent souvent. Je crois que c'est important et c'est un élément de la démarche pour aller déjà vers une bonne gouvernance.
Et par rapport à l'angle de vue de Miguel, moi je vais me limiter au niveau de mes propos à la situation en Afrique du Nord. Je ne connais pas la situation en Europe, dans le reste des pays méditerranéens, mais je connais la situation à travers toutes ces réunions que nous avons faites ensemble, parce que ce n'est pas la première fois que nous discutons entre Nord-Africains de nos problèmes, et à travers l'expérience nationale et à travers mon vécu personnellement. Moi aussi j'ai presque 30 ans, c'est 29 et quelques mois dans ce domaine-là. Et quand on est assez vieux, on a plus de conseils à donner et de recommandations à faire. Comme vous le savez, et comme le disait mon ami tunisien tout à l'heure, nos pays nord-africains recèlent une biodiversité très remarquable au niveau du bassin méditerranéen. C'est des espèces et des écosystèmes qui ont bien sûr une grande valeur écologique, mais qui ont en même temps beaucoup d'intérêts socio-économiques. Dans nos pays, les populations vivent des ressources naturelles beaucoup plus qu'en Nord. Et malheureusement, toutes ces ressources naturelles restent fragiles et menacées. Par rapport au contexte européen qui vit, où il y a certains facteurs qui se produisent, comme disait Miguel, il y a un facteur très fondamental et très remarquable qui se produit chez nous et qui masque tous les autres facteurs. C'est le facteur développement. Nous sommes des pays qui voulons nous développer. Et en voulant nous développer, nous faisons de l'action dans la nature, nous touchons la nature, etc. Et ce n'est pas toujours un impact positif, c'est le plus souvent un impact négatif. Et du moment qu'il y a toutes ces menaces, si vous voulez, viennent de nos activités liées au développement, viennent de ce changement que nous sommes en train d'opérer au niveau de nos pays. Et ça s'aggrave par ce qui se passe actuellement sur le plan, je dirais même politique, socio-économique, et même la question des changements climatiques. Donc il y a d'autres facteurs qui viennent aggraver la situation dans nos pays parce que nous avons déjà la vie assez compliquée par le fait que nous voulons nous développer au détriment de notre nature. Alors je pense personnellement que nous faisons de la conservation de la nature depuis assez longtemps. Si vous allez regarder dans les archives de nos départements respectifs dans les pays nord-africains, vous allez trouver des lois qui datent du début du 20e siècle, des réglementations et tout ça pour la protection de la nature, protection des espèces et tout ça. Nous avons fait beaucoup de projets avec beaucoup de partenaires. Nous avons fait beaucoup de renforcement de capacités. Nous avons fait beaucoup d'actions comme ça, séparées dans le temps et dans l'espèce. Mais l'impact n'est jamais là. Si vous faites le constat, si vous évaluez la situation dans tous ces pays-là, en tout cas, on ne serait pas content des résultats. Nous disons tous que ça ne va pas chez nous. Donc on est encore en difficulté malgré tout ce qu'on a fait comme projet et comme action. Et je pense que nous avons injecté beaucoup de... Je peux le dire ouvertement, nous avons injecté beaucoup d'argent hein, à travers une certaine coopération, mais l'impact n'est pas là. Et ça, personnellement, je trouve que c'est dommage. Nous devons revoir cet aspect-là parce que c'est un élément important d'une stratégie pour le futur et pour mieux développer notre stratégie. Tout cela fait, si vous voulez, que nous avons, à mon avis, nous avons devant nous deux grands défis hein, par rapport à cette question de défi. Moi, je dirais deux grands enjeux. Alors, le premier, c'est vraiment de faire de la conservation de la nature une priorité nationale dans nos politiques nationales respectives. Et le deuxième, c'est que nous devons adopter une stratégie qui va nous permettre d'abord, dans un premier temps, de donner à notre action de l'objectivité et de la cohérence. Parce que nous faisons de l'action, on est très actifs. Si vous allez au Maroc, nous avons beaucoup de projets, nous avons des stratégies, etc. Mais ça manque toujours d'objectivité et de cohérence. Et c'est ce qui va nous permettre donc de faire plus d'impact en matière de conservation de la nature. Je pense également que la réalisation de ces deux enjeux, ou ces deux défis, nous permettra de sortir de
de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, de la façon dont nous avons fait jusqu'à maintenant, et que je qualifie personnellement de folklorique. Ah, il y a beaucoup de tapage, beaucoup de spectacle, mais il n'y a pas, de résultat. Et nous avons fait, si je peux dire, c'est beaucoup de, ce qu'on peut appeler de, beaucoup d'exercices gratuits. Hein. On fait des projets juste pour faire le projet, après la fin du projet, vous ne trouvez rien sur le terrain. Et ça, nous, c'est une réalité que nous avons vécue, nous en avons assez au niveau de nos contextes nationaux. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça change vraiment. C'est une question de gouvernance. Et on va voir par rapport à cela, pour changer, pour sortir de cette situation, je crois que nous avons un certain nombre d'opportunités. C'est des opportunités qui sont là devant nous, mais avant on ne faisait pas attention à ces opportunités, mais nous avons commencé à réaliser cela depuis, ça fait 2 ans maintenant, hein, depuis quand on fait des réunions avec le centre, je peux le dire ouvertement, nous avons commencé à réaliser qu'est-ce que nous avons comme défi, bien sûr, et qu'est-ce que nous avons comme opportunité pour réaliser ces défis. Première opportunité, mon ami tunisien nous disait d'une certaine façon, c'est qu'au niveau de nos pays, il y a, dans tous les pays nord-africains, il y a un certain engagement officiel pour la conservation de la nature. Et cet engagement, il est là à travers l'adhésion de nos pays respectifs à toutes ces conventions internationales, à tous ces accords internationaux et régionaux qui sont relatifs à la conservation de la biodiversité. Donc en ratifiant tout cela, les pays s'engagent, le gouvernement s'engage ouvertement et officiellement à faire à conserver la biodiversité. Et donc cette adhésion-là, ça nous permet de nous inscrire déjà dans tous ces objectifs globaux et dans toutes ces feuilles de route établies au niveau de ces conventions et au niveau de ces accords. La deuxième opportunité, vous pouvez ne pas la partager, mais je pense que c'est une opportunité, c'est le fait d'avoir le